L'intersyndicale unie rencontrera Elisabeth Borne mercredi. La nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, l'a confirmé. Décision saluée par la Première ministre qui a toutefois rappelé que la suspension de la réforme des retraites n'était pas à l'ordre du jour. 6h05 sur Europe 1, bienvenue. On va sortir les baskets. Clotilde, dernier échauffement avant le marathon de Paris demain. Et oui, 52 000 participants inscrits pour cette 46e édition. C'est un record. Alors tous veulent avaler les fameux 42 km et 195 mètres précisément qui les séparent de l'arrivée, tout en profitant, Martin Lange, d'un nouveau parcours qui fait rêver. Oui, alors pour le départ, pas de changement. Rendez-vous sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, privatisée pour l'occasion, pour le plus grand bonheur de Roxane, première participation. Le fait d'avoir l'avenue des Champs-Élysées, rien que pour moi et 45 000 autres personnes, forcément ça va faire quelque chose. Et puis le parcours, il est magnifique. Jugez par vous-même, le Grand Palais, la Place Vendôme, le Musée d'Orsay ou encore la Tour Eiffel. Les coureurs vont passer devant tous les lieux emblématiques de la capitale. Une visite au pas de course qui les emmènera jusqu'au Bois de Boulogne, juge de paix traditionnel de l'épreuve. Mais la nouveauté, c'est que les participants quitteront très vite le bois pour retrouver les immeubles cossus du 16e arrondissement et surtout le public. Une très bonne nouvelle selon Adrien. Le bois de Boulogne, moi si je me souviens l'année dernière, j'avais bien souffert parce qu'à un moment donné, on passe sur des pavés et tout, c'est une catastrophe, on est mort complet. Les rues de Paris, c'est toujours bien parce qu'il y a des petits concerts, il y a toujours du monde et sur la fin, ça rebooste bien, quoi. Un bain de foule jusqu'à l'arrivée qui, elle, n'a pas bougé. Elle sera jugée sur l'avenue Foch au pied de l'Arc de Triomphe. Et demain, toute la matinée, vous pourrez suivre le marathon de Paris sur Europe 1 avec notre concurrent Vincent Brossard. Et on va en parler.